à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tutoriel d'un porte-nom à l'occasion de la fête des mères en forme de papillon à installer sur votre fourchette. On se retrouve de suite pour le matériel. Pour cela, vous aurez besoin d'un cutter, d'un crayon et d'un stylo, de quelques strass, d'une feuille de papier calque, d'une feuille imprimée de motifs de papillon, d'un papier de scrapbooking clair et assez rigide, et d'une fourchette pour pouvoir installer votre porte-nom. À de suite pour le tutoriel. Pour commencer ce tutoriel, vous imprimez des modèles de papillons qui vous plaisent et avec une feuille de papier calque, vous allez recopier le motif en faisant attention à ce qu'il y ait bien le corps du papillon. C'est ça qui va servir à l'attacher à la fourchette. Vous le copiez sur le papier calque. Vous choisissez un papier assez rigide et coloré pour la fête des mères. Vous recopiez le motif du papillon. Et avec un cutter, vous découpez votre papillon. Vous faites autant de papillons qu'il y a d'invités. Avec un stylo, vous écrivez le nom sur chaque papillon de vos convives. Faites-le sur une aile car c'est la seule chose qu'on verra quand ça sera installé sur la fourchette. Vous pouvez décorer votre papillon de strass, pas trop de stickers ou de gros motif, sinon ça va gâcher votre papillon. Et votre porte-nom est terminé. Il vous suffit de prendre une fourchette, de l'installer au milieu comme ceci. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me laisser vos commentaires. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.